Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les mots de passe enregistrés sur Mozilla Firefox, sur le navigateur Internet. Donc attention, je vous alerte que si quelqu'un se connecte en fait physiquement sur votre machine, donc il a la possibilité de récupérer vos mots de passe ainsi le site sur lequel vous êtes connecté. Donc attention, le PC, il faut que ça reste un PC personnel. À moins que vous protégez tous vos mots de passe par mot de passe principal. Donc nous allons voir comment on fait. Il se fait de lancer donc Mozilla Firefox comme ceci. Vous allez dans Outils, ensuite dans Options et puis dans Sécurité. Vous voyez ici, vous avez mot de passe enregistré. Si vous cliquez dessus, vous avez tous les sites sur lesquels on s'est connecté. Vous avez le nom d'utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant de connexion. Et puis le mot de passe, pour afficher le mot de passe, il suffit juste de cliquer sur afficher le mot de passe. Et là, il vous demande si vous voulez vraiment afficher le mot de passe. Je clique sur oui. Moi, j'ai caché la barre pour ne pas afficher tous les mots de passe enregistrés. Donc, il n'y a que la première lettre. Si je déplace la barre, bien évidemment, vous aurez tous mes mots de passe, ainsi l'identifiant de connexion et puis le site sur lequel je me suis identifié. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre un mot de passe principal, c'est-à-dire cocher cette case-là, utiliser un mot de passe principal et mettre un mot de passe principal qui protège tous les mots de passe. Voilà. Vous confirmez le mot de passe encore une fois dans la deuxième case. Ensuite, là vous avez le niveau en fait de sécurité. Si c'est la qualité de mot de passe est très élevée, je vous conseille de mélanger les majuscules, les lettres, les points, les virgules et ainsi les minuscules. Comme ça, le mot de passe il sera vraiment très élevé. Je vous conseille minimum 8 caractères. Voilà, vous appuyez sur OK. Donc le mot de passe principal a été changé. Je valide par OK. Et là, si je clique sur mot de passe enregistré, il me demande tout de suite de mettre mon mot de passe principal afin que je puisse accéder que pour afficher les noms d'utilisateur le site sur lequel je me suis connecté. Et là, si je souhaiterais afficher le mot de passe, il me demande encore une fois de plus de taper mon mot de passe principal de tout à l'heure. Si je valide par OK, là, j'ai tout de suite tous mes mots de passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien utile. Attention au piratage, c'est vraiment très facile. On peut mettre en place des applications, des petits virus que vous recevez par mail, et c'est dès que vous cliquez sur, vous ouvrez la fenêtre, automatiquement il va chercher le mot de passe enregistré sur votre navigateur Mozilla, et du coup on a tous les mots de passe en quelques clics. C'est vraiment super rapide. Donc toujours je conseille de protéger Windows avec un mot de passe et surtout Mozilla Firefox avec un mot de passe principal. Voilà, je vous dis à très bientôt sur notreprof.fr.